Bref, on est parti. Bon match, mesdames, messieurs. En direct du palais des sports de Jonquière. Mathieu Mette les frappés solidement par Denis, là. Et le run arrêt de jeu. Déjà un échafouré en fond de territoire. Ouais. Alors, un pass qui est défendu à eux. Il lâche les gants. Ça va être un match qui va être long. Yannick Gauthier, le fils de l'entraîneur-chef des. Possibilité d'échapper, là. C'est Terrien qui s'avance. Terrien. Un tir. Et le but. Marc-André Terrien qui marque. Mais le gardien Graham qui a sorti sa jambière. Je crois que la jambière. Graham, la rondelle entre les deux jambières. On regardera la jambière gauche. On confirme le but, bon. Marc-André Terrien. Ça va jusqu'à un tir. C'était du côté de Zorn. Zach Zorn qui a eu un excellent match hier. Un tir but. Et je crois que ça a été dévié devant le filet par Gartin. Je ne suis pas convaincu de ce que j'avance. Mais du moins, les pétroliers qui créent l'égalité. On va vers Picard à Gravel. Gravel, frappé à la tête par Calgaro. Mais Calgaro jette les gars sur Picard. Picard vient défendre Gravel. Qui n'a une grille, il rendait qu'une grille, Picard. Et Picard qui cloue ça, Calgaro, geste. Plus loin, là. C'est un coup de bâton, on ne sera pas puni. On est chanceux de sauter de Verpass. C'est Blackburn qui s'avance dangereusement. Blackburn à toute vitesse. T'es bon. Non, mais merde, tire à but! Louis-Philippe Galli! Quel jeu, là, de la part de Blackburn qui a contourné la défense adverse, a récupéré, a vu son coup de pied par les mots Blackburn. Ça va jusqu'à Joannette. Joannette traverse la ligne bleue défensive, mais dans la ligne rouge, rentre en zone offensive. Joannette, un lancé de tir. Est-ce qu'elle est rentrée? Oui, le but! Jonathan Joannette qui marque et c'est l'égalité, 2 à 2. Un bon lancé de Jonathan Joannette. Ça semblait surprendre Bérubé. Même moi, de mon angle, j'étais pas convaincu. On a entendu la barre résonner fort ici. Gravel toujours. Mais derrière pour Blackburn. Simon-Claude Blackburn. Première étoile de la dernière semaine dans la ligue de Robinson Donkey. On va faire un passe à but! Gabriel! Verpass! Beau but de Verpass. Belle passe de Gravel. Gravel qui fait du très bon travail. C'est repris par Picard, Alexandre Picard. On remet derrière pour Allard, Assimard, Allard. Alors un tir bloqué par Pagliarulo. Remet rapidement vers Jérôme Gravel. Gravel, avec la rondelle, un tir bloqué par Pagliarulo. Bel arrêt du Chabert. On était pas compromis. Qui pousse plus loin, Medley qui intercepte. Un peu trop loin, là, pour Picard. Ah, Picard qui reprend. Alexandre Picard, accroché par Medley. Picard se défait, tir bloqué. Beau harpon, là. Picard, toujours. Picard se défait son adversaire. Beau harpon, encore une fois, du côté de Pagliarulo. On met vers Gauthier, un tir dévié derrière la cage. Le retour de Tourigny, tir but! Marc-André Tourigny! Et c'est quoi, c'est son premier uniforme de bleu, vert et blanc, des marquis. L'ancien des bâtisseurs, là, qui a... Brushing qui lève le bâton de Riel. Et là, les gars qui laissent tomber, on est parti! Le combat est enclenché! Et va quelqu'un qui a déjà une bonne droite de Cloutier. Rochon qui réplique et Cloutier qui cloue sur Rochon! Brushing. Et les gars qui tombent, Brushing le regard. On est parti, Donald Brushing contre Derek Parker! Brushing qui le regarde. Cette semaine, Brushing qui le regarde, Brushing qui le jump! Et Brushing, Parker qui réplique! Et les deux qui vont donner preuve de force. Pas un Brushing qui va avec quelques gauches sur Brushing, sur Parker. Et Brushing qui réplique. Des droites, des gauches. On le va des deux côtés. Non, combat, et Brushing qui se défait Parker. Parker qui se joue au sol. C'est terminé. Donald Brushing. Dernier combat avec les marquis de Joker. Beau combat de Brushing, malgré son âge. 51 ans. Il n'est pas terminé, ça. Oh non. Parker qui va aller au banc. Et les partisans jokerois sont contents. Oh oui. On a vu le Parker au début qui a. Le poulain qui va chercher un adversaire qui va se narguer. Et Calgaro va narguer l'outil au bas. Picard qui cherche les ennemis là, aujourd'hui avec Calgaro. Ouais. Calgaro qui joue dans la tête. Oh, Picard qui est le clou au sol. Là. Oh, Picard se rue sur Calgaro. Et c'est parti, le combat est enclenché, Desmarais contre Riel. Riel, ça donne une correction sur Desmarais. Le Picard qui ne lâche pas, là, Calgaro. Sauvé, avec le 10 toujours. On patiente, remet vers Larose, un tir but, Nathan Larose. Un lancé précis sur réception. Et c'est maintenant 4 à 3, maintenant réellement 4 à 3. Oui. Yann Sauvé devant le banc des Marquis. Sauvé. Remet vers Hamelin derrière. À Sauvé. Ramé Zaki par terre. Un tir bloqué par Bérubé. Bel arrêt. Oui, bel arrêt du jardin. C'est en 2 contre 1 avec jusqu'à Gravel. Donc André Tourigny. Avec Gravel. Avec Gauthier qui revient. Gauthier et la rondelle. Tir bloqué par Pagliarulo. Côté. Bon, là, 2 contre 0. Remet vers Tourigny. Donne à Tourigny. Tourigny.
Avec la rondelle, tir bloqué par Pagliani Rouleau. Belle arrêt du gardien. Beau déplacement. Et Gauthier et Joëlette qui s'empoignent. Est-ce qu'on va laisser tomber les gars? Les gars sont tombés. Gauthier laisse tomber les gars. On est parti. Comment enclencher? Picard s'avance dangereusement. Alexandre Picard remet vers Tourigny. Tir bloqué par Pagliani Rouleau. Belle arrêt du gardien. Entrée de territoire. Tourniquet sauvé. Au jeu de ce dernier, au bon mise en échec de Picard. C'est qu'il dit que ce soir, on veut passer, il Blackburn touche le poteau. Il manque le retour, il a solide mise en échec. J'ai pas vu la mise en échec. Le contact, en fait, la tête de Kangaroo a touché. Et Kangaroo, il veut passer, c'est parti. Kangaroo qui jette pas les gars et il donne des coups de poing. Sache que les gars, c'est parti, veut passer Kangaroo. Et Kangaroo, tout est au sol. Veut passer, continue à jouer dessus. Il continue. L'indiscipline. L'indiscipline, ça fait mal, le hockey. Ça va maintenant faire Talbot Tassi. Un tir. C'est le but! Ça a été dévié devant le filet, je crois. Et si je me trompe pas, c'est Guertin ou Caron qui sera crédité du but. Les Pétroliers qui viennent de créer l'égalité après la mauvaise pénalité de Brisebois. On aura un autre 2 minutes de plus. On ira sécuriser un point. Et pour une 4e fois en 5 rencontres, les Marquis vont en prolongation. Et Talbot Tassi de l'autre côté. Bonne prolongation à tous, mesdames, messieurs. Benoît Hamelin, entrée de territoire, Jonquière-Roy. Il est seul de son camp, attend des options. Ça va jusqu'à l'éveiller. L'éveilleur tire et le but! Loïc l'éveilleur! Un lancer précis, partie supérieure. Et c'est une victoire de 5-4 des Pétroliers du Nord de Laval avec un but en prolongation avec Derek Parker qui fait le tour de la glace. Bref, victoire des Pétroliers 5-4 face à Jonquière. À Jonquière, les Pétroliers qui sortent avec 4 points dans cette fin de semaine face aux Marquis. Les Marquis avec un seul point. Dans ce week-end, on revoit la reprise du but.